Amen. Voilà, que Dieu te bénisse. Lato vient. Nous allons nous souvenir à partir de Lato, au travers de Lato, de tous les artistes de la Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Vous savez, il y a un fleau, il y a un truc qui se bat, les artistes ne participent pas là au niveau de truc. Nous allons prier non seulement ça pour lui, nous allons prier pour que Dieu davantage œuvre précisément dans son cœur, dans sa vie. Et nous allons prier pour la conversion de nos artistes ivoiriens. Oui, la conversion. Au travers de la présence de Lato, nous allons prier pour que Dieu touche le cœur des artistes ivoiriens afin que cette personne puisse se donner véritablement à Jésus. Afin qu'au travers de ces œuvres-là, que des personnes se soient touchées. Prions ensemble le Seigneur. Quelque part, ils sont tous chrétiens. Ils sont tous des frères en Christ. C'est pas la peine d'attaquer l'autre.
Et c'est ça le premier mot de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc nous allons prier pour l'unité du corps de Christ. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est divin à l'aise. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Oh oui, nous sommes dans un lien d'amour. Enfin, nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Et nous sommes le réveil spirituel de la Côte d'Ivoire. Veillez,
La veillée, c'est le vendredi à Zarago. La veillée prochaine, c'est le vendredi à Zarago. Et il aura ici un séminaire avec un homme de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui vont faire venir. On aura l'occasion de parler de Dieu en semaine. Voilà, il y a des gens qui aimeraient visiter aussi Dio, qui aimeraient aussi visiter Zarago. Donc, la veillée prochaine sera à Zarago. Nous aurons une veillée prochaine à Zarago. Amen. Amen. Le lieu, c'est l'administration. Que ça soit clair dans la Zarago, c'est notre centre de délivrance et de prière là-bas. Donc, il y aura une veillée à Zarago le vendredi prochain. Ça sera une veillée. Mais déjà parmi le jeudi, tout ça, il y a des réflexes. Ici, le problème, c'est que tous les week-ends, il y a des réflexes. Ici, on n'a pas forcément que tu as envie de te retirer, tu viens te retirer pour chercher la force de l'éternel. C'est comme ça. Tu es à la maison, tu as envie de te retirer, tu viens. C'est comme le réflexe. Amen. Ça repose aussi, c'est un sens de prière et de délivrance de Dieu. Et il y a beaucoup de malades qui sont ténèbres. Le vendredi prochain, il y aura une grande veillée. Et en même temps que je vous annonce qu'il y aura des événements, c'est-à-dire que la semaine-là, on aura fait pas mal de vie quand nous rendrons la vie. Voilà, donc bonne arrivée, Patrice. Voilà. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse ton séjour. Amen. Voilà, bonne journée à vous et que Dieu vous garde. Je vais laisser le temps au Saint-Esprit. Levez la main. Et merci Saint-Esprit. Nous comptons sur toi. Toi seul es capable de nous conduire. Toi seul es capable de nous orienter. Nous te confions notre journée. Bénis-nous selon ta grâce. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Amen.